Coucou tout le monde, c'est TutoPratix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger des fonds d'écran, on va dire, hein, des images gratuitement et en Full HD sur un site qui se nomme Ebus. Voilà, donc j'y suis là. Voilà, Ebus. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, quand vous tombez ici, bien entendu, vous n'avez pas que ça. Hein. Voilà, là vous avez que ça. Ensuite, vous avez les plus populaires. Voilà. Nouveauté. Juste vu. Mais sur l'écran. Bon. Nouveauté auteur. Toutes les nouveautés. Ensuite, bien entendu, vous pouvez chercher encore plus en cliquant sur les fonds d'écran. Ici, on a le cinéma, c'est-à-dire les films, l'espace. Je vais aller dans espace. Pour y aller, vous faites tout simplement un clic gauche. Voilà. Donc, vous avez des images ici. Hein. Donc, ici, on a une image très connue de MacBook, MacBook Pro, enfin voilà, les ordinateurs portables Apple. Donc, moi, je vais prendre. Vous prenez celle que vous voulez. Alors pour en avoir une, moi je vais prendre celle-là, allez. Vous faites celle-là. Vous faites un clic gauche, voilà, sur la photo. Ensuite vous cliquez sur télécharger. Ici, vous prenez le 1080. Vous faites OK. Là, vous cliquez sur télécharger. Bien entendu, vous pouvez le mettre en noir et blanc ou en piaf, voilà. Parfois ça fonctionne pas. Comme là, vous voyez que ça ce n'est pas noir et blanc. Bon, c'est pas grave. Donc, bien entendu, on peut redimensionner l'image en choisissant un angle bien spécial. Hein. Moi, pour ma part, je vais laisser comme il est. Je trouve très bien. Alors, juste voilà, je vais le laisser comme il est. Hop, vous faites télécharger. Quand c'est comme ça, vous faites un clic droit. Enregistrer l'image sous, vous le mettez ici, enfin dans vos images ou où vous voulez, vous faites enregistrer. Ensuite, on aura tout simplement nos images dans nos images ici. On peut très bien les mettre et comme on peut le constater, sans très bonne qualité. Voilà. Moi, je préfère l'image d'Anonymous. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été pratique et utile. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de tutoriels. Et puis voilà, je vous souhaite très bonne soirée. Et puis voilà. Likez la vidéo, commentez, puis restez connectés. Ciao, ciao les gens.